Donc, je m'appelle Charles Gambier, je suis étudiant belge à l'université de Liège. J'ai fait mon bac en bio-ingénieur et puis maintenant je termine ma maîtrise en foresterie. Ici, je suis en train de terminer ma maîtrise avec un stage à l'université de Sherbrooke dans le département de géomatique appliquée. Et je participe au projet AWARE depuis 2 mois maintenant, donc j'ai commencé seulement mon travail. Donc mon sujet de recherche dans le projet AWARE, c'est que je tente de reproduire des modèles de hauteur de canopée pour les peuplements en régénération en dessous de 7 mètres. Donc j'ai des données LIDAR qui datent de 2012, qui sont ma référence maximale de hauteur. Et puis avec ça, j'essaye de combiner des stéréophotographies historiques en les traitant par photogrammétrie pour reproduire également des modèles de hauteur de canopée avec ces photographies-là pour en faire des courbes de croissance depuis la perturbation jusqu'à l'année 2012. Donc les résultats que j'ai pour le moment sur mon projet, c'est des résultats très préliminaires parce que j'ai commencé mon travail il y a un peu plus de 2 mois. Jusqu'à maintenant, j'ai sélectionné des zones d'intérêt, donc dans la forêt boréale méridionale. Donc c'est surtout basé sur la régénération des sapins baumiers et des épinettes. Et ces résultats préliminaires, donc j'ai passé à travers tout le processus. Donc j'ai sélectionné certaines zones pour lesquelles j'ai reproduit les différents modèles de hauteur des canopées aux différentes dates avec les stéréophotographies historiques. Et donc j'ai certaines courbes de croissance pour certaines des placettes dans mon lot de zones d'intérêt. Pour le moment, les modèles de croissance de canopée, ils commencent pour la plupart, enfin tous en fait, à partir de 7 mètres de hauteur. Donc on a du mal à modéliser la croissance de la régénération en dessous de 7 mètres dans la forêt boréale. Et mon projet va essayer de remédier à ça en permettant d'en connaître plus sur la vitesse de croissance de la régénération après les perturbations majeures et en fonction des variables écologiques et bioclimatiques et tout type de variables qu'on pourrait y associer. Les avantages de travailler dans un projet de cette ampleur comme AWARE, c'est que je peux discuter avec d'autres acteurs qui travaillent dans le même domaine que le mien et qui ont plus de compétences que moi, parce que moi je suis toujours en phase préliminaire de mon projet. Donc ça me permet d'avoir des retours sur mon projet et de répondre à certaines questions que je me posais sur différentes choses techniques et théoriques de mon projet. Pour le moment, je suis à la maîtrise en foresterie, donc je n'ai pas vraiment de compétences en géomatique et télédétection. Enfin, j'ai eu certains cours dans mon cursus, mais pas beaucoup. Et donc, pour le moment, avec mon projet que je réalise pour le moment, j'apprends à utiliser des nouveaux outils déjà, comme les outils de photogrammétrie, les outils de traitement photo, traitement de nuages de points LIDAR et tout ça. Et puis aussi, je débute vraiment dans le monde de la recherche parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu que des cours, j'ai jamais fait de recherche. Et donc, ça me permet aussi de découvrir le fonctionnement d'une recherche scientifique.